Lorsque des chutes de neige sont annoncées avec un risque de gel ou de verglas, plusieurs précautions s'imposent si vous possédez une voiture. Si vous êtes surpris par la neige au volant, roulez à vitesse très modérée. Anticipez chaque changement de direction et ne faites pas de mouvement brusque. Méfiez-vous des zones à l'ombre, c'est là que le verglas se forme et rend la chaussée glissante. Équipez vos pneus de chaînes ou de chaussettes à neige. Enfin, si les routes ont été salées, pensez à laver votre voiture. En effet, le sel peut abîmer la carrosserie. Pour protéger votre voiture par grand froid si elle stationne à l'extérieur, décollez les essuie-glaces du pare-brise et protégez ce dernier avec un carton. Changez la batterie si elle a déjà quelques années. Elle risque de se décharger avec le froid. Pour éviter le blocage de votre frein à main par le gel, ne l'enclenchez pas. Passez plutôt une vitesse ou placez des cales devant et derrière les pneus. Avant de réutiliser votre voiture, utilisez une raclette pour gratter le pare-brise ou une bombe dégivrante plutôt que de l'eau chaude. Le choc thermique risque de fissurer le pare-brise. N'actionnez pas les essuie-glaces sur une vitre gelée, cela abîme les balais et les caoutchoucs. En cas de serrure gelée, ne forcez pas avec la clé. Là encore, utilisez une bombe dégivrante. Vérifiez la pression de vos pneus. Le froid a tendance à les dégonfler. Enfin, assurez-vous que les freins réagissent bien. Ils sont davantage sollicités sur les routes hivernales.